Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Louis Dionne, je suis directeur général du CRAAC et c'est avec un immense plaisir que je serai votre animateur aujourd'hui. Dans un premier temps, je voulais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au lancement du guide sur les cultures de couverture en grande culture. Donc, je joins ma voix à celle de toutes les personnes impliquées dans le projet ainsi qu'à tous les membres du CRAAC. Nous sommes particulièrement fiers. Et moi, en plus, je suis nouveau directeur général. Je trouve que c'est un magnifique nouveau projet pour me présenter à vous aujourd'hui. De procéder à cette présentation publique de cet ouvrage qui, je crois, est très attendu, qui s'aligne sur les préoccupations du secteur, autant des producteurs que des conseillers et l'ensemble des intervenants, et qui s'aligne aussi sur les objectifs principaux du plan d'agriculture durable du MAPAQ, soit l'amélioration de la santé, la conservation des sols, la réduction des pesticides, la gestion des matières fertilisantes, et l'amélioration de la biodiversité. Je crois qu'il s'agit vraiment d'un ouvrage qui est unique dans le monde de la francophonie, de par son accessibilité, de par son contenu, de par la structure qu'il présente, de par la facilité, un petit peu la vulgarisation qu'il amène. Il est appelé à devenir un peu un élément central, autant pour les entreprises agricoles que pour les conseillers et l'ensemble des intervenants du milieu agricole. On l'espère au Québec, mais aussi ailleurs dans tous les pays qui composent la francophonie. Donc, ça me fait plaisir aussi de maintenant vous présenter les trois auteurs principaux qui ont été appuyés par un comité de rédaction et de révision. Donc, avec plaisir, je vous présente Anne Vanasse, qui est agronome, qui a été la rédactrice principale et l'éditrice scientifique du guide. Anne Vanasse est professeure-chercheure à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'agroalimentaire de l'Université Laval. Elle a une expérience de plus de 38 ans en grande culture et en agro-environnement. Elle est donc membre du comité Grande Culture au CRAAC, membre des commissions phytoprotection et chimie et fertilité des sols. Je vous présente également Anne Vail, qui est aussi agronome, qui a été conseillère en innovation au CETAB. Elle a plus de 30 ans d'expérience en grande culture conventionnelle et biologique, en production maraîchère biologique. Elle a été auteure de plusieurs guides et travaux. Sylvie Thibodeau, qui est aussi agronome, consultante pour Terre à Terre Agronome Conseil. Conseillère avec le Club agro-environnemental du Bassin Laguerre. Donc, elle travaille pour plusieurs projets en culture de couverture, culture intercalaire, semi-direct, grande culture, et est une collaboratrice et réviseur de plusieurs ouvrages au CRAAC. Donc, c'est avec une immense fierté que je vous présente ces trois co-auteurs. Et sans plus attendre, je leur cède la parole. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Anne Vanasse en premier. Alors, bonjour à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici pour ce grand moment. La production d'un guide sur les cultures de couverture, c'est un projet que j'avais en tête depuis bien longtemps. Lorsque je voyais passer à droite et à gauche beaucoup d'informations sur les cultures de couverture, tant sur les sites Internet que dans les nombreux guides, qu'ils soient américains ou français. Je pense qu'il y avait un réel besoin de rassembler toute cette information-là et surtout de l'adapter au contexte québécois. J'ai donc initié le projet en 2018 avec une demande de financement réalisée avec le CRAAC et le projet a débuté à l'été 2019 pour se terminer en beauté 2 ans et demi plus tard. Alors, l'objectif du guide, c'est vraiment de rassembler de l'information scientifique et technique sur les cultures de couverture, une information qui a été validée par un comité d'experts composé de chercheurs, de conseillers terrain et d'un producteur. Et ça, de façon à adapter cette information-là au contexte québécois et à toutes ses particularités régionales et climatiques. Je pense que c'est vraiment ce qui contribue à l'originalité et à la valeur de ce guide, le fait de donner de l'information scientifique à jour, mais surtout de présenter des scénarios d'établissement qui ont été validés sur le terrain et qu'on sait qu'ils fonctionnent. Alors, je pense qu'on a fait vraiment une bonne équipe, Sylvie, Anne et moi, parce qu'on a quand même rassemblé un bagage d'expérience de 30 à 38 années d'expérience ensemble dans le domaine, sans compter toute l'expérience du comité d'experts. On s'est challengé continuellement durant l'écriture de ce guide-là, parce qu'on sait qu'avec les cultures de couverture, il y a 1 000 scénarios possibles. C'est extrêmement important de faire des essais à la ferme de façon à adapter ces scénarios-là aux particularités de chacun. Je pense aussi qu'il faut être conscient qu'il y a de l'information nouvelle sur le sujet qui sort à chaque jour. Donc, il va falloir continuer d'être à l'affût de ces nouvelles informations-là. Mais je pense sincèrement que le guide contient des informations et des principes de base essentiels qui vont servir un peu de balise aux conseillers et aux producteurs.
Alors, sans plus tarder, on va vous présenter très brièvement le contenu du guide. Alors, Michael, si tu veux remettre le PowerPoint. Alors, dans l'écriture du guide, la première question qu'on s'est posée, c'est ben, pourquoi établir des cultures de couverture? Donc, pour nous, c'était important de présenter les avantages et bénéfices de celles-ci. On sait que quand on établit les cultures de couverture, que ce soit dans les céréales, dans le maïs ou le soya, l'objectif, c'est vraiment d'assurer une couverture de sol durant la saison végétative, mais surtout à l'automne et au printemps. On permet aussi d'augmenter la biomasse végétale aérienne et racinaire qui va être incorporée dans le sol et qui va pouvoir améliorer et augmenter l'activité biologique du sol. C'est extrêmement important. À moyen et long terme, on va voir une amélioration de la structure du sol, donc une meilleure agrégation, meilleure porosité, souvent due à la biomasse racinaire. Et on va permettre aussi d'améliorer la fertilité du sol, bien sûr, en apportant du carbone et de l'azote au sol via ces cultures de couverture. Prochaine diapositive. Donc, je pense que c'est possible avec les cultures de couverture de concilier la productivité, rentabilité à la ferme avec la qualité de l'environnement. Productivité parce qu'on veut maintenir les rendements, mais dans certains cas, les augmenter. Dans le guide, on a mis en évidence certains scénarios qui permettent d'augmenter jusqu'à 13% les rendements dans le maïs. Par un choix judicieux d'espèces, on peut réduire la concurrence exercée par les mauvaises herbes, donc réduire un peu notre dépendance envers les herbicides. Et avec les légumineuses et les mélanges avec les légumineuses qui nous apportent de l'azote au sol, on peut souvent réduire les apports d'engrais minéraux azotés dans les cultures commerciales. Donc, en assurant une meilleure couverture de sol, bien sûr, on va réduire l'érosion du sol et on va diminuer les risques de pollution diffuse qui sont souvent occasionnés par le transport des sédiments vers les cours d'eau, sédiments auxquels sont associés l'azote et le phosphore. Donc, on espère avec les cultures de couverture de diminuer cette pression-là sur les cours d'eau. À moyen et long terme, en augmentant la matière organique dans les sols, on va contribuer à la résilience des sols face aux aléas climatiques. Et finalement, par un choix judicieux d'espèces, bien, on peut améliorer la biodiversité végétale et du sol et améliorer aussi le statut de certains pollinisateurs et certains insectes. Prochaine diapositive. Je voulais dire un petit mot particulier sur les apports d'azote qui proviennent des cultures de couverture compte tenu du contexte qu'on vit en ce moment avec la flambée des prix des engrais minéraux azotés et la faible disponibilité de ceux-ci. Je pense que c'est vraiment de l'heure de parler de ça. On a donc un chapitre qui est consacré là-dessus pour vraiment présenter quels sont les facteurs d'influence. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'azote une année que l'autre? Donc, c'est en fonction des caractéristiques des espèces, des conditions climatiques, d'activité microbienne du sol et aussi des moments de destruction, ce qu'on doit détruire à l'automne ou printemps pour optimiser les apports d'azote aux cultures commerciales. Prochaine diapositive. Finalement, dans ce chapitre-là, on donne des méthodes d'estimation de l'apport en azote en caractérisant les biomasses des cultures de couverture, en présentant différents coefficients de minéralisation et en présentant aussi des estimés de l'équivalent en azote minéral pour le maïs. Alors, on suggère bien sûr de faire des essais expérimentaux à la ferme pour valider un peu ces calculs que l'on peut faire théoriques. Donc, par différents scénarios qu'on présente, que ce soit le trèfle en intercalaire dans le blé ou l'établissement du poids fourrager après une céréale ou une culture hâtive, on démontre qu'on peut aller chercher jusqu'à 40 à 80 unités d'azote pour les cultures commerciales grâce aux cultures de couverture. Alors, je termine ici pour les avantages et je laisse la parole à Anne et à Sylvie qui vont vous présenter le choix des espèces et les scénarios d'établissement. Bon, moi, je vais poursuivre avec la section qui porte sur le choix des espèces. Cette partie commence par les principaux aspects à considérer lorsqu'on veut choisir une espèce de culture de couverture. En premier, quels sont les objectifs visés? C'est important à définir. Est-ce qu'on veut apporter de l'azote? Est-ce qu'on veut améliorer le sol? Est-ce qu'on veut réduire l'érosion? Et ensuite, on travaille avec quel système de couvert végétal? Est-ce qu'on est en dérobé? Est-ce qu'on est en intercalaire ou en système de pleine saison? Et finalement, toujours dans notre choix des espèces, le système de production intervient beaucoup. Comment adapter le couvert avec la rotation que l'on a? Est-ce qu'on est en semi-direct ou en travail du sol? Par exemple, en semi-direct,
Il faut que le sol puisse se réchauffer au printemps. Est-ce qu'on est en régie biologique? Dans ce cas-là, on cherche des couverts qui poussent très vite, qui font compétition aux mauvaises herbes, qui apportent de l'azote. Est-ce qu'on a des engrais de ferme? À ce moment-là, on veut recycler les éléments minéraux. Et aussi, il faut faire attention aux herbicides qui sont appliqués. Il faut que l'engrais, le couvert puisse pousser. Diapo suivante. Alors, les espèces ensuite sont décrites. Elles sont regroupées par famille, graminées, céréales, régras, graminées de climat chaud, légumineuses, annuelles, bisannuelles, vivaces. Les crucifères, les plantes qui appartiennent aux autres familles, comme le lin, le sarrasin, la phacélie, et aussi les espèces qui sont peu testées, par exemple le kale fourrager. Alors, pour chacune des espèces, on parle des caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire leur adaptation au climat, au sol, la résistance au gel, leur rapidité d'établissement, de croissance. Quelles sont les utilisations possibles, dérobées, intercalaires, pleine saison, et aussi quelles sont les conditions de réussite de planter la bonne espèce pour le bon système finalement de couvert. Et les doses et profondeurs de semis sont aussi précisées. Il y a aussi une section qui porte sur les mélanges d'espèces en dérobé ou en pleine saison. Alors, pourquoi faire des mélanges? Et ensuite, on donne plusieurs mélanges qui fonctionnent bien, qui donnent de bons résultats au Québec. On présente aussi quelles sont les espèces qu'on pourrait rajouter à ces mélanges si on veut avoir des mélanges un peu plus complexes. Et là, je passe la parole à Sylvie Thibaudeau. Alors, je poursuis en vous parlant des systèmes d'implantation et de gestion des cultures de couverture. Dans le guide, on présente différents scénarios. Des scénarios de cultures de couverture en intercalaire, que ce soit des intercalaires dans le céréal, dans le maïs et même dans le soya. Et on présente également des scénarios de cultures de couverture implantées en dérobé, c'est-à-dire après la récolte de la culture principale. Encore là, on présente des scénarios en dérobé après la récolte de la céréale, du maïs et du soya. Le guide présente également quelques autres scénarios, soit des semis de pleine saison, donc durant toute la durée de la saison. On présente également quelques systèmes à l'essai, dont plusieurs sont basés sur l'utilisation du seigle d'automne. Et on aborde les aspects sous-solage en relation avec l'utilisation de cultures de couverture. Suivante, s'il vous plaît. Toujours au niveau des systèmes d'implantation et de gestion, on aborde les aspects semoirs et techniques de semis. On y présente donc plusieurs équipements et machineries abondamment illustrés de plusieurs photos prises au Québec. On y aborde le thème fertilisation des cultures de couverture et gestion des mauvaises herbes. La gestion des mauvaises herbes dont il est question ici est en relation avec l'utilisation des herbicides. On y parle soit des impacts, donc de la rémanence des herbicides pour le semis de culture de couverture, également de la compatibilité des herbicides avec les cultures de couverture. On parle également des interactions entre cultures de couverture, maladies et ravageurs, et on présente différentes méthodes de destruction, qu'elles soient en relation avec l'utilisation ou non du travail du sol. Suivante, s'il vous plaît. Et je vous présente le dernier chapitre du guide qui porte sur les aspects économiques des cultures de couverture. Le cœur de ce chapitre présente une analyse de rentabilité à court terme des cultures de couverture. C'est basé sur un cas réel fait dans des essais au Québec, dans des conditions spécifiques, c'est-à-dire qu'on était sur une utilisation de pois fourragers, retour céréal, champs semi-directs depuis plusieurs années et sud-ouest du Québec, donc plusieurs semaines de croissance pour la culture de couverture. Ce cas-là a donné d'excellents résultats et l'analyse de rentabilité était basée sur l'apport d'azote et le rendement du maïs l'année suivante en relation donc avec l'utilisation de ce couvert de culture de couverture-là. Donc, je reviens, c'est un cas spécifique, précis, qui a donné d'excellents résultats, mais cette analyse de rentabilité qui est présentée
doit être vu aussi comme un outil que le producteur ou son conseiller peuvent utiliser pour, à partir des propres données obtenues à la ferme, faire le calcul de la rentabilité à court terme des cultures de couverture de d'autres cas spécifiques. Mais reste que les résultats utilisés dans cette analyse de rentabilité dans ce chapitre sont quand même le reflet d'une excellente implantation et d'un cas réel, mais qui témoignent de l'importance qu'on doit accorder au choix des cultures de couverture, à la planification de leur utilisation, aux soins qu'on doit apporter pour leur implantation, à leur gestion et à l'évaluation des cultures de couverture. Et ça, bien, ce sont tous des éléments, des thèmes abordés dans le présent guide. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite une bonne lecture et je repasse la parole à Anne Bonas. Merci Sylvie. C'est déjà terminé pour le contenu du guide. Il me reste à faire les remerciements. Alors, je voulais vraiment profiter de l'occasion pour remercier tous les membres du comité de rédaction et de révision qui nous ont vraiment appuyés tout au long par leurs commentaires très constructifs pour améliorer le contenu du guide. Alors, je voudrais remercier Isabelle Brun, qui est agent de transfert à Agriculture agroalimentaire Canada, Paul Caplette, qui est producteur à Saint-Robert, Roselyne Gobeil, qui est conseillère chez Sénica, qui représentait l'Association des marchands de semences du Québec, Caroline Hall, qui est professeure à l'Université Laval, et Denis Ruel, qui est conseiller maintenant retraité au MAPAC à Nicolette. Prochaine diapo. J'aimerais aussi, bien sûr, remercier d'autres collaborateurs qui ont aussi contribué à la rédaction et à la révision de certains chapitres, notamment les chercheurs Martin Chantigny, Émilie Maillard, David Pessard, tous chercheurs à Agriculture agroalimentaire Canada. Merci tout particulier à Laurent Gendron, qui est conseillère au MAPAC à Trois-Rivières, qui était co-auteur du chapitre sur les aspects économiques. Et finalement, je voudrais remercier Maud Langelier, professionnelle de recherche à l'IRDA, et Marie-Élise Sanson, professeure à l'Université Laval. Enfin, mes derniers remerciements, et non les moindres, ce sont les remerciements pour le CRAAC, pour tous leurs travaux de coordination, d'édition, de mise en page. Merci, Joanne, pour ton efficacité, ton appui, ton suivi durant ces 2 ans et demi-là. Un merci tout spécial à Danielle Jacques, éditrice que j'ai appelée notre fée de l'édition. Danielle, sans ta contribution, le guide ne serait pas ce qu'il est. Et finalement, merci à Nathalie Nadeau, graphiste, pour tout l'aspect visuel. Alors, merci d'être ici avec nous pour ce lancement. Je laisse la parole à M. Dion. Merci beaucoup à vous trois. Donc, bien sûr, la grande question maintenant, c'est comment se procurer ce guide? Rien de plus simple. Vous n'avez qu'à aller sur le site web du CRAAC, à craac.qc.ca, accéder au catalogue et vous allez pouvoir trouver le guide de culture de couverture dans le catalogue. Il est en vente dès maintenant au prix de 58,95 $. Donc, vous aussi, je vous souhaite une excellente lecture. En terminant, je voulais bien sûr remercier nos partenaires financiers qui nous ont vraiment appuyés dans la réalisation de cet ouvrage. Donc, Concertation Grains Québec, qui est pour le lancement aujourd'hui, les producteurs de grains du Québec, l'Association des marchands de semences du Québec, Semican Inc., le CETAB, Fertilec, Synagri, le garage Wendel Matisse et le bulletin des agriculteurs. Finalement, cette publication a été rendue possible grâce à une aide financière du programme Innovation agroalimentaire, issu de l'accord Canada-Québec de mise en œuvre du partenariat canadien pour l'agriculture. Donc, merci à tous nos partenaires financiers. On est rendu à la période de questions. Donc, 2 façons de poser des questions. Vous pouvez lever la main ou encore mettre vos questions dans le chat. Donc, à partir de maintenant, on serait prêt à prendre vos questions. J'avais une première question de quelqu'un, de Mme Monique Goulet, qui nous demandait si les coefficients d'efficacité en azote, phosphore, potassium font partie du nouveau guide de référence en fertilisation. Bon, ce n'est pas directement lié avec le guide culture de couverture, mais je peux rapidement dire que le comité en charge de la réalisation du guide de référence en fertilisation va, c'est sûr, considérer ce sujet-là dans les thématiques à aborder dans le guide. Je peux peut-être commencer, puis Sylvie et Anne compléteraient si la réponse n'est pas complète. En fait, comme je l'expliquais, on a un chapitre vraiment sur l'azote. Donc là, dans ce chapitre-là, on explique effectivement les coefficients de minéralisation pour l'azote. On n'a pas inclus le phosphore et le potassium parce que du côté des cultures de couverture, il y a quand même beaucoup moins de travaux qui ont porté là-dessus.
sur combien de phosphore et de potassium on peut obtenir à partir des cultures de couverture. Donc, on a choisi vraiment de se concentrer sur l'azote qui selon moi, est vraiment là où on va obtenir les plus grands gains, contrairement au phosphore potassium qui sont peut-être plus minimes. Je ne sais pas, Sylvie, Anne, si vous voulez compléter. Moi, je rajouterais que pour le moment, on n'a simplement pas les chiffres pour le phosphore et le potassium, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu les mettre. Exactement. Parfait. Donc, je serais preneur d'une question live. Donc, j'ai Roger Kundo qui nous demande les potentiels de réduction et séquestration de différents mélanges de cultures de couverture EV sont-ils présentés dans le guide? Réduction et séquestration, la séquestration du carbone, peut-être, je voudrais préciser la question. Est-ce que c'est... Okay. Monsieur Rokundo, pourriez-vous prendre la parole pour préciser votre question? Je peux peut-être... Il vient de préciser du carbone. OK. C'est ce que je pensais. Bien, il y a un chapitre là-dessus, effectivement, sur les bénéfices environnementaux et les pertes environnementales. Donc, on a abordé cette histoire du séquestration du carbone, mais on l'a abordé de façon plus générale et non détaillée parce que, comme vous savez, c'est assez complexe de calculer un bilan de carbone. Et je pense que notre position face à ça aux cultures de couverture, c'est vraiment, on va parler de séquestration de carbone temporaire parce que la séquestration du carbone dans le sol, en fait, c'est un bilan dépendamment des entrées de carbone et dépendamment aussi de la minéralisation du carbone organique qui peut se faire après, selon les différentes pratiques culturales. Donc, on explique bien les principes de base par rapport à la séquestration du carbone et aussi les pertes qu'il peut occasionner en lien avec d'autres gaz à effet de serre, comme le N2O, par exemple. Donc, on explique les principes de base, mais pour les calculs, c'est tellement particulier qu'on n'est pas allé dans les détails de calcul pour cette séquestration-là. J'ajouterais que la question aussi semblait pointer beaucoup les mélanges d'engrais verts. Qu'en termes de mélange, le chapitre de mélange présente des mélanges qui fonctionnent bien au Québec, là, sans aller dans ce genre de réponse-là. Mais on a voulu vraiment plutôt suggérer des mélanges qui, selon nos expériences, peuvent être intéressants, là. Donc, je vous réinvite à lever la main pour poser vos questions. Si vous voulez savoir comment faire, vous devez utiliser la section « Réaction » au bas de votre écran pour pouvoir lever la main. Et à ce moment, on va pouvoir activer votre micro. J'ai une question. Quel grand legs de la part des trois sommités de l'agro-environnement et de toute l'équipe en soutien? La Terre ne pourra que s'en porter mieux. Merci au nom de tous. Donc, ce n'était pas une question, c'était un compliment. Donc, nous sommes en attente d'une prochaine question. Est-ce que quelqu'un pourrait lever la main? On aimerait ça vous entendre. J'ai une autre question. Donc, ce n'est pas encore une question, c'est encore un remerciement. Merci pour votre contribution à cet important dossier. Au plaisir, jeu de mots EAU. Donc, une autre question, est-ce qu'il y a des données azote, potassium, phosphore liées au mélange dans certaines espèces de couverture et lesquelles? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment une façon de vérifier les quantités d'azote qui proviennent des cultures de couverture, mais on n'a pas inclus le phosphore et le potassium parce que les données... Il n'y a pas vraiment de données qui sont présentes là-dessus, surtout pour chacune des espèces, combien de phosphore et de potassium proviennent des cultures de couverture. Alors, on a vraiment choisi de concentrer notre information plus sur l'azote qui provient des cultures de couverture. Merci beaucoup, Mme Ballas. J'ai une question de quelqu'un qui se dit néophyte, qui nous demande, est-ce que les cultures de couverture doivent être enfouies avant la floraison? C'est une question d'une apicultrice. Bon, je peux, Sylvie ou Anne, vous pouvez y aller, sinon je vais répondre. je peux répondre.
Est-ce qu'elles doivent être enfouies? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de l'objectif recherché, de la période aussi, de la culture suivante, de la période où on veut détruire l'engrais vert. Mais pour ce qui est de la floraison, tout dépend si on veut de l'azote disponible rapidement ou non. En général, à partir du stade bouton, l'azote devient moins disponible et à la floraison, l'azote est peu disponible. Donc, à ce moment-là, oui, il faut le faire avant la floraison, absolument. Merci beaucoup. Nous avons une main levée, donc je céderai la parole à Mme Monique Goulet. Oui, bonjour. Bravo d'abord, puis à la fois, moi, je pense qu'on avait vraiment besoin de ce guide-là. Comme il n'y a pas beaucoup d'interventions, là, ça me permet de parler un peu, mais dans le sens que on en parle depuis tellement longtemps qu'on a tellement besoin de ces réponses-là, toutes regroupées dans un guide. Moi, je l'ai commandé dès que j'ai vu ça, je l'ai commandé dessus, j'ai hâte de le lire. Mais on a vraiment besoin pour mettre des chiffres, mais aussi, tu sais, c'est beau d'en parler, mais souvent, on veut des choses concrètes. Alors, bravo, mesdames et tous les collaborateurs, mais moi, je suis contente, en tout cas, que ce guide-là existe, puis il va falloir faire avec, dans le sens que je pense qu'on va être capable d'en arriver à les avoir, les coefficients, puis je comprends que c'est quelque chose de complexe, puis c'est tout le temps variable en fonction des conditions climatiques, humidité, température, mais quand même, ça va nous donner déjà un air d'aller un peu plus précis. Alors, bravo encore et merci beaucoup. Merci, Monique. En fait, j'ai envie de rebondir là-dessus pour préciser que dans ce guide-là, on insiste énormément sur des façons de calculer, mais on insiste sur le fait que les producteurs, avec l'aide de leurs conseillers, testent chez eux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des coefficients généraux, un peu comme nos grilles de fertilisation, c'est général, mais il faut l'adapter à son type de sol, à sa condition climatique. Il faut observer ce qui se passe pour vraiment valider ces calculs-là qu'on suggère, mais je ne sais pas si Sylviane peut renchérir, mais pour nous, c'est important là, que chacun se l'approprie à la ferme. Oui, je voudrais renchérir et je voudrais vraiment insister sur le fait que les coefficients vont beaucoup dépendre de l'état du sol, c'est-à-dire qu'un sol en très mauvais état, mal drainé, même s'il y a plein d'azote, le coefficient peut être proche de zéro. Et puis un sol en super bon état, il va être peut-être à 50%. Donc, il faut quand même, même s'il y a des chiffres qui vont venir avec ce guide-là, c'est toujours la même chose en agriculture. On est dans quelque chose d'extrêmement variable et il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer les chiffres. Merci beaucoup. Donc, j'ai une question maintenant de Frédéric Gagnon qui dit qu'un producteur de patates lui demandait si c'était possible en culture de couverture permanente pendant la saison de croissance. Il ne voit pas bien comment parce qu'il parle de culture conventionnelle avec herbicides. Oui, effectivement. Bien, en fait, ce guide-là, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un guide de culture de couverture qui a été vraiment pensé et écrit pour les grandes cultures, donc les céréales, le maïs, le soya, peut-être le canola. Et on n'a pas abordé vraiment la production de pommes de terre ou maraîchères parce que c'est quand même très spécialisé, comme justement vous venez de le dire. Ce n'est pas évident dans les cultures de pommes de terre. Bien sûr, ça peut donner des idées pour la rotation avec les pommes de terre parce qu'il y a déjà quand même des engrais verts qu'on connaît, le millet ou autres, qui sont en rotation avec les pommes de terre. Mais il y aura une certaine adaptation, c'est certain, si à partir de ce guide-là. Merci beaucoup. Question de Sylvain Laroche qui se questionne à savoir si les espèces les plus efficaces pour recycler les applications automnales ou les reliquats d'azote sont identifiées dans le guide. Oui, mais comme j'ai parlé beaucoup, je vais peut-être laisser Sylvie ou Anne, mais oui, elles sont identifiées. En fait, ça fait partie des dans les caractéristiques, entre autres, quand on décrit les différentes espèces de leur capacité à recycler l'azote. C'est un des critères dans toute la liste des caractéristiques dont Anne Veil a parlé tout à l'heure. Là. Effectivement, c'est un point qui est traité, qui est abordé, oui. Parfait.
Stéphane Gariépé, qui tient à féliciter toute l'équipe, il souligne que l'agroforesterie est une forme de culture de couverture. Est-ce qu'il y en a question dans le guide? Non, il n'y en a pas question dans l'agroforesterie, mais il me semble que Mme Lagacé du CRAC m'a dit qu'il y a un guide en préparation sur l'agroforesterie parce que c'est un sujet qui est tellement important et tellement vaste, l'agroforesterie, que je pense qu'il y aurait besoin d'avoir un guide juste là-dessus parce que c'est des systèmes qui sont très particuliers, hein? Donc, on s'est limité vraiment aux cultures de couverture sans nécessairement inclure là, les arbres qui entrent dans la composition des systèmes. Mais c'est un sujet vraiment important que l'agroforesterie, je suis d'accord. Merci. On a une main levée, donc M. Gélaudette, la parole est à vous. On ne vous entend pas, M. Audette. Je pense qu'il faudrait activer votre micro. Effet. Après un poids de conserverie qu'on récolte aux environs du 15 juillet, si la culture suivante est un blé d'automne qu'on veut mettre début septembre, ce serait quoi la meilleure plante pour l'interculture? Ça, c'est une question piège, là. Ouais. Je dirais... Ça va dépendre aussi, ça dépend de tous les systèmes de production, du critère, de l'objectif. C'est sûr que là, après un poids, on ne veut pas trop rentrer d'autres poids, mais est-ce que le sol va être travaillé? Est-ce que là, on veut quelque chose qui meurt parce qu'on s'en va en blé d'automne? C'est quelque chose à réfléchir. Là, puis je pense que le guide donne des outils pour en arriver à ça, mais il y aurait plusieurs réponses là, pour ça. Là. Je ne veux pas me lancer là dans une réponse puis que ça soit pris à large sans que ce soit nécessairement applicable à tout le monde. Là. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est donc pour ceux en Montérégie qui sont en poids, ils ont un mois et demi, deux mois où on pourrait, c'est ça, on veut remettre une culture de couverture qui va capter l'azote des poids. Oui, mais le problème qu'on peut voir dans ce cas-là, il faut se poser la question, les herbicides qui ont été utilisés dans le poids aussi, si ce n'est pas en régie bio, ça peut mettre un frein à plusieurs cultures de couverture comme ça après le poids de conserverie. Là. C'est en régie bio, ça fait que ça. Ah, arrive. Mais c'est ça, mais je m'en doutais, là, mais ça reste que c'est une question qu'il faut se poser pour quelqu'un qui est en conventionnel. Là. Oui. Mais en bio, ça... Avec, c'est une question qui demande pas mal de réflexion parce qu'il y a juste deux mois de croissance. Donc, quelque chose qui pousse vite, c'est du sarrasin. Mais quelque chose qui capte l'azote, c'est de la crucifère. Mais en bio, on a un peu peur des graines dures qui ne germent pas. Alors, bon, on peut peut-être se pencher vers les céréales, mais on s'en va ensuite en céréales, donc... C'est quelque chose qui est quand même pas mal à réfléchir. Qu'est-ce que vous penseriez? J'ai du cas par cas, vraiment. Ouais. Qu'est-ce que vous penseriez du sorgho? On aurait une belle croissance. Parce qu'en fait, présentement, on fait beaucoup de poids. Puis, on laisse la terre libre pendant un mois et demi à peu près. Puis, j'aimerais ça trouver quelque chose là, qui... J'ai pensé peut-être au sorgho qui pousse très vite. Qui ferait de la biomasse, qui prendrait l'azote, donc qui est facile à détruire. Oui, ça rentre dans une graminée qui va capter l'azote. Oui, c'est pas fou. Oui, ça serait pas une mauvaise idée. Ouais. Ça évite, l'utilisation des crucifères. Oui, c'est peut-être mieux de se concentrer dans une graminée. Puis le sorgho, je pense qu'il n'y a pas vraiment de maladies, je pense, qui vont se transférer du sorgho au blé d'automne ou au seigle d'automne. Donc, on est quand même dans une autre espèce. Ce que je comprends, c'est... Peut-être une carte d'Abyssinie aussi, mais ça fait partie de nos espèces peu testées, là, mais qui pourraient être à voir, parce qu'elle est très, très tardive comme moutarde. Donc, est-ce que ça règle certains problèmes? Je sais pas. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes pistes pour M. Audette, mais vraiment, une stratégie plus globale serait essentielle. Puis le guide peut aider à faire cette stratégie. Il y a un commentaire, quelqu'un qui souhaiterait peut-être que Mme Vanasse amène quelques précisions concernant un petit peu les adaptations par rapport au climat selon les régions du Québec. C'est quoi
les différences ou les nuances à apporter par rapport aux différentes régions? C'est surtout dans le chapitre 3 qui concerne les scénarios d'établissement. Ce qu'on a fait, on a essayé de toujours à chaque fois, quand on a un scénario d'intercalaire ou de dérobé, d'indiquer les particularités régionales. Donc, on les a découpées en trois zones. La zone 1, qui est plus la zone de Montérégie, la zone 2, qui est plus centre du Québec, la zone 3, zone périphérique. Donc, quand il y a des spécificités, on l'indique pour dire, bien, ça fonctionne bien en zone 1, mais ça ne fonctionne pas en zone 3. Donc, ça permet un peu de se situer dépendamment où on est au Québec, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les systèmes qui fonctionnent partout, c'est certain. Donc, dans les différents scénarios d'établissement, on a indiqué les particularités régionales et c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est sûr que le climat peut changer la donne un peu et ça, c'est Madame Météo, ça, on ne la contrôle pas, mais pour les régions, on était capable, en lien avec plus les UTM et les degrés jours qu'on a en fonction des régions. Merci. Quelqu'un se questionne à savoir comment on pourrait aider à optimiser le guide à travers les années. Quel est le meilleur moyen de transférer des connaissances vers le CRAAC pour faire évoluer le guide? Donc, là, je peux me permettre de répondre. Je pense que la meilleure façon de le faire, c'est par le biais de la chargée de projet, Mme Joanne Lagacé. Donc, si vous entrez en communication avec elle dans les prochains mois, prochaines années, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir s'assurer d'un bon canal de communication pour les guides. Éventuelle mise à jour du guide. Donc, des gens qui se félicitent, peut-être que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il va y avoir un guide aussi pour l'agroforesterie. Yvan Fauché nous dit qu'il existe des méthodes de calcul pour déterminer les apports d'azote des cultures de couverture. Est-ce qu'on les aborde dans le guide ou encore est-ce qu'on connaît la réponse des cultures principales aux cultures de couverture? Ce n'est pas juste une question d'apport d'azote, mais de toute l'activité biologique qu'elles engendrent. On aborde la question des apports d'azote, ça c'est sûr, avec les coefficients de minéralisation puis les estimés d'équivalent en azote pour le maïs. Pour ce qui est de l'activité biologique, on a un chapitre là-dessus qui montre un peu l'augmentation de l'activité biologique qui est occasionnée par différentes espèces, différents mélanges. Mais c'est certain, comme le disait Anne tout à l'heure, que si on trouve un coefficient d'efficacité, n'importe quoi, de 0.4, ou 0.45, mais ça reste que ce coefficient-là va être bon si on a un sol qui roule bien, qui a une bonne activité microbiologique. Donc, il faut compléter avec les profils de sol, il faut compléter avec finalement le jugement agronomique pour voir est-ce qu'on a un sol qui est bien structuré, qui a une belle activité biologique. Alors, on ne peut pas, dans un guide, dire bon, en fonction de telle activité biologique, parce que pour l'instant, les mesures d'activité biologique sur le terrain, c'est... Je pense que c'est l'observation beaucoup. Anne, tu peux peut-être compléter. Mais oui, en fait, pour les coefficients, il y a plusieurs méthodes pour les calculer, mais je peux juste répéter, on est toujours dans l'approximation. Puis je pense que faut pas rêver, on va jamais être capable de sortir avec des valeurs exactes. Ça va toujours être... fonction du stade de l'engrais vert, de l'espèce d'engrais vert, du pourcentage d'azote, mais surtout du sol, du climat. On a mis, je pense, le maximum qu'on pouvait mettre dans le guide sans en inventer, parce que dans les coefficients de minéralisation, il y a comme aussi des légendes qui circulent. Alors nous, on a voulu vraiment, ce qu'on a mis, on était pas mal sûr que c'est testé, que c'est connu. Donc, on n'est pas allé plus loin que ça. Merci beaucoup. Commentaire encore des félicitations. Michel Dupuis qui dit bravo Anne et Sylvie pour ce bel ouvrage, un document nécessaire qui sera apprécié de tous. Isabelle Auclair, puisque le type de travail de sol influence sur la disponibilité en azote, est-ce qu'elles sont considérées dans le niveau de disponibilité? On l'aborde, le moment de destruction, pour avoir fait un peu le tour de la littérature scientifique sur le sujet. C'est pas si évident que ça, automne versus printemps, mais on aborde ce sujet-là
pour parler un peu de la mise en disponibilité, dépendamment si on est en semi-direct. Mais je pense que la destruction, le travail du sol aussi, il faut penser à d'autres impératifs. Par exemple, est-ce qu'on est en biologique ou bien on peut utiliser des herbicides. Donc, oui, la mise en disponibilité de l'azote, mais il y a aussi d'autres considérations où on n'aura pas le choix d'enfouir à l'automne pour d'autres considérations. Mais ce qu'on a vu avec la méta-analyse sur l'azote, il y avait les deux méthodes, autant automne, printemps, et les coefficients peuvent être quand même au rendez-vous pour apporter de l'azote, que ce soit en système bio ou en conventionnel. Encore une fois, Anne, je ne sais pas si tu veux compléter, mais... je pense que c'est quand même... En tout cas, moi, je n'ai pas vu de chiffres clairs passer sur tel travail du sol a telle influence sur les coefficients de minéralisation. Ça revient toujours à plutôt une interaction travail du sol, activité biologique du sol. Un sol qui n'a pas d'oxygène, le coefficient va être faible. Un sol qui a de l'oxygène, donc d'activité biologique, le coefficient va être élevé. Donc, c'est sûr qu'un sol... très compact, l'effet du travail du sol, ça va sûrement augmenter le coefficient. Alors que si le sol est en très bon état, on peut être en semi-direct avec un coefficient encore plus élevé. C'est de nouveau extrêmement variable d'un sol à l'autre. Mais je pense que le guide, en tout cas au niveau de la méthode de destruction, on a vraiment quitté les conseillers en fonction de est-ce qu'on est en semi-direct ou en bio, parce qu'il y a des considérations à regarder. Et ça, je pense que dans le chapitre 3, on guide bien le conseiller à savoir, t'es où? Est-ce que tu es en semi-direct, tu es en travail réduit ou tu peux te permettre un labo? Et là, on guide les gens à la façon, comment est-ce qu'on peut travailler pour détruire, si je peux m'exprimer ainsi, les cultures de couverture, les engrais verts. Je rajouterais, on a des considérations très pratiques. Parce que en semi-direct, un avoine qui a été semé à l'automne, qui est très dense, ça couvre complètement le sol, il ne réchauffe pas, donc ça ne fonctionne pas bien. En bio, par exemple, un engrais vert de pois avec une très grosse biomasse, si on ne le travaille pas un peu à l'automne, là aussi, ça fait une grosse biomasse au printemps qu'on n'arrive pas bien à enfouir, donc on a un semi qui ne fonctionne pas bien. Donc, on a beaucoup abordé le travail du sol, mais en fonction de l'aspect pratique, plus qu'en fonction des coefficients. Parfait. Le temps pour une dernière question, puisqu'on visait terminer pour au maximum à 11h15. Quelqu'un donc qui nous demande, c'est Stéphane Martel, est-ce que des pistes de recherche et développement sont proposées dans le guide? Non, mais je peux vous dire qu'il y en a tellement. En ce moment, là, l'information pullule en recherche et développement. À peu près toutes les équipes du monde travaillent sur les cultures de couverture. Alors, quand je dis qu'il y a de l'information nouvelle qui sort chaque jour, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a énormément de travaux de recherche et développement qui se font dans ce domaine-là, que ce soit au Québec, en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, on n'en a pas mis dans le guide, mais je pense que ce sera peut-être un mandat pour le CRAAC de voir un peu d'être à l'affût de ça et de voir qu'est-ce qui pourrait compléter finalement ce guide-là au fur et à mesure avec la R&D qui se fait, parce qu'il s'en fait quand même beaucoup au Québec. Alors, merci. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui, qui sont venues assister à ce lancement. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on l'a fait. Je vous répète que pour vous le procurer, vous n'avez qu'à aller sur notre catalogue, sur notre site web, craac.qc.ca. Vous allez pouvoir le voir. Je voulais aussi féliciter encore une fois nos partenaires financiers, les co-auteurs, l'ensemble des collaborateurs. Vraiment, c'est un excellent travail dont on est très fiers. Et je crois que la grande participation aujourd'hui nous prouve que c'était un guide qui était attendu. Donc, merci de votre engagement sur cette réalisation et au plaisir de faire encore de nombreux projets avec vous. Merci à tout le monde. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci tout le monde. Au revoir.